Donc, ici, ça, c'est un petit peu le parcours de Calliope. Je vous explique. Pour pouvoir avoir Calliope, il y a déjà deux étapes avant. La première, c'est d'avoir un statut juridique. Parce que vous ne pouvez pas obtenir Calliope sans avoir un statut juridique. Donc, après le statut juridique, vous pouvez avoir n'importe lequel. Une association, vous pouvez avoir Calliope. Une auto-entreprise, vous pouvez avoir Calliope. Une SARL, une EURL. Alors, ne me posez même pas la question de savoir si vous, votre statut juridique est bon ou pas. Si vous avez un numéro de SIRET, peu importe la forme de votre statut juridique, vous pouvez obtenir Calliope. Ensuite, la première marche, c'est d'obtenir le numéro de déclaration d'activité de formateur. Parce que ce numéro de déclaration d'activité de formateur, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'activer votre Calliope. Vous pouvez passer Calliope sans avoir un numéro de déclaration d'activité de formateur, mais votre Calliope sera en sommeil tant que vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité de formateur. Ce numéro de déclaration d'activité, il se demande à l'adresse et vous pouvez le récupérer. En fait, c'est une déclaration. Il y a un petit dossier à transmettre avec les éléments qui vous correspondent et vous vous déclarez formateur. Et une fois que vous avez ce numéro de déclaration d'activité, votre Calliope va s'activer. Si je vous précise cette notion de Calliope qui s'active, elle est vachement importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez passer l'audit, faire tout le processus Calliope sans avoir le NDA, mais en ayant le statut juridique. Okay? C'est le statut juridique, c'est la condition sine qua non. Mais vous pouvez, donc à partir du moment où vous avez un statut juridique, vous pouvez passer Calliope. Mais votre Calliope, tant que vous n'avez pas de NDA, il sera en sommeil. Donc, statut juridique, NDA, Calliope. Alors ça dépend du statut que vous créez, mais c'est gratuit. Ça dépend du statut. Ça, c'est gratuit et Calliope est payant. Le certificateur vous facture la certification Calliope. Et ensuite, eh bien, quatrième étape, une fois que vous avez Calliope, eh bien, il y a l'étape. Alors, j'essaie de juste voir pour que vous arriviez à visualiser. Mais alors, en fait, il y a l'étape du CPF. L'étape du CPF, c'est que Calliope vous ouvre l'accès à tous les fonds de formation. Donc, je vais faire un petit truc, je vais faire une autre diapo. Hop! Ça vous ouvre, sans Calliope, vous ne pouvez pas avoir accès aux OPCO, au pôle, à France Travail. En fait, vous êtes obligé d'avoir Calliope pour être éligible à ces organismes de financement-là. Sans Calliope, c'est impossible. Mais Calliope ne vous permet pas d'être éligible au CPF. Calliope est obligatoire pour être éligible au CPF. Donc, vous devez avoir Calliope, sinon vous ne pouvez pas être au CPF. Mais vous ne pouvez pas être au CPF sans Calliope, mais avoir Calliope ne vous met pas automatiquement au CPF. Il y a une autre procédure supplémentaire où il faut vous inscrire sur le site EDOF du CPF. Et donc là, c'est l'étape suivante. Et alors pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'il y a après, eh bien, alors moi j'ai rajouté une étape qui est optionnelle, mais je pense que dans l'avenir, elle deviendra importante parce que beaucoup de personnes se retrouvent à donner des formations sans forcément de diplôme, sans forcément de preuve de leurs compétences. Et cette étape-là qui peut se passer, que je pourrais mettre, oups, excusez-moi, la souris est très sensible. Je pourrais mettre cette étape entre les deux ici, mais du coup, je préfère la mettre après. ICPF Pro, c'est une certification. Alors, je vais revenir en arrière. Calliope est une certification de processus d'entreprise. Voilà, ça c'est très important parce que les gens ne visualisent pas ce point-là, mais Calliope, c'est une certification de processus d'entreprise. ICPF Pro, c'est une certification de personne. C'est-à-dire qu'on va certifier que vous avez les compétences que vous dites avoir. Alors que Calliope, on va juste certifier que votre entreprise respecte un processus administratif. Donc ici, pourquoi ICPF Pro, ça peut être intéressant? C'est parce que si vous ne voulez pas faire une longue VAE, si vous ne voulez pas repasser des diplômes que vous n'avez pas encore, eh bien, ICPF Pro, ça vous permet de certifier une compétence sans avoir à faire de la VAE, sans avoir à faire des diplômes. Par contre, il y a des différences par rapport à une VAE et à des diplômes, c'est que ICPF Pro, c'est une certification comme Calliope qu'il faut repasser à un certain rythme tous les 14 mois et qui est payante également. Donc voilà, mais ça permet à des gens qui n'ont pas le temps de passer une VAE ou en attente de la VAE de pouvoir quand même avoir une certification qui certifie qu'ils sont experts dans leur domaine. Et après, autre point, dernier point, c'est l'audit de surveillance de Calliope. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez Calliope, tous les 14 à 22 mois, il y a un nouvel audit où on vient vérifier que vous respectez Calliope, en fait, tout simplement. Et donc, pour ce point-là, j'ai fait une petite boucle, vous voyez, une petite boucle en rose. C'est qu'en fait, comme c'est un audit qui a lieu tous les 14 à 22 mois, en fait, vous avez Calliope, premier audit.
Deuxième audit, vous avez un audit de surveillance. Troisième audit, vous revenez à un audit Calliope. Après, vous avez un audit de surveillance. Puis après, vous revenez à un audit de Calliope. Et alors, au cas où, si vous vous posez la question, mais tous les audits sont exactement les mêmes. Ça se passe exactement de la même façon. Un auditeur vient chez vous et il demande à voir deux choses. Un, il veut voir que vous avez envoyé les documents que vous deviez envoyer à votre client et que vous avez la preuve que vous les avez envoyés. Point 1. Et point 2, eh bien, que les documents soient utilisés avec le client. Alors, c'est moi qui utilise le terme utilisé, parce que ce n'est pas le terme officiel qu'on utilise, mais c'est plus simple à expliquer ça. C'est qu'en gros, si vous avez une fiche de présence, elle doit être signée avec votre client. Si vous avez un contrat, le contrat doit être signé. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui bloquent beaucoup de personnes par rapport à Calliope, c'est que les gens ne font signer aucun document, ils n'envoient aucun document par mail, ou n'ont aucune preuve dans l'envoi des documents, ou alors les documents sont envoyés n'importe comment, dans n'importe quel timing, ou les noms des documents sont pas bons, enfin bref. Il y a toujours un souci sur les documents, sur ces deux points-là, et c'est en fait ça qui bloque beaucoup les gens au niveau de Calliope. Mais une fois que vous avez Calliope, bah, vous rentrez dans un cercle où bah, vous avez un audit tous les 14 à 22 mois en permanence. Donc voilà, sur le contexte.